Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une unboxing pour un DP qui vient de la boutique Mes Petits Diams. Voilà, donc je vais vous faire découvrir ce petit DP. Donc comme d'habitude, il a été envoyé dans une pochette protégée à bulle en colissimo. Hop, je cache les adresses. Donc reçu en 48 heures. Hein. Voilà. Et j'ai eu droit à des petits bonbons. Donc ça, c'est la carte de Coralie de sa boutique. Je vous le remontre. Voilà. Bon, derrière, elle m'a mis un petit mot. Hein. Ça, c'est pour moi le petit mot. Et donc, je vais vous montrer le petit kit que j'ai reçu. Donc, comme d'habitude, il n'y aura pas de surprise. Hein. Je sais que les kits de chez Coralie sont toujours nickel. Donc là, c'est un kit en diamants spéciaux. Alors, ben, en premier, ben, comme d'habitude, la petite tablette, la colle, les petits sachets, excusez-moi, mon téléphone a bipé, et le petit stylet, voilà. Les perles, je vais vous les remontrer. Et donc, c'est un kit avec 12 couleurs, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, cherchez c'est un autre mot que je voulais vous dire, mais bon. Alors, c'est un 40-30, mais comme d'habitude, 40-30, c'est la taille de la toile complète. Le dessin par lui-même, je vais vous dire ça tout de suite avant de vous le montrer. Comme ça, vous attendez. J'aime bien vous faire attendre. Alors, 34, à peu près, hein, à un millimètre près, 34 sur 24, voilà. Et la toile complète fait 40 sur 30. Vous savez que j'aime bien ces petites bébêtes. Vous demandez lesquelles, hein, c'est quelles bébêtes que Didi t'aime bien. Bon, allez, je vous les montre. Voilà. Les hiboux. Alors, on va dire qu'il y a Monsieur Hibou en bleu et Madame Hibou en rose. Alors, des chouettes ou des hiboux. Je ne sais jamais vraiment reconnaître, mais bon, voilà. Donc, il est vraiment super beau et je crois qu'il va être encore magnifique quand il va être terminé. Voilà. J'adore ces kits-là. Depuis que ces kits-là, je les ai découverts justement avec la boutique de Coralie, hein, Mes Petits Diams. Et donc, j'en ai déjà fait quelques-uns et j'adore les faire. C'est une petite récréation entre les kits pleins, voilà, les grands kits que je fais aussi entre deux. Ça me fait une petite récréation entre deux kits ou même des fois pendant que je fais un autre kit, des fois je en fais un comme ça. Voilà, ça me change un petit peu. Alors, je vais vous montrer les perles. Alors, je cherche le bout. Donc, les voici, les voilà. Alors, je vous montre, d'abord je vais finir de vous montrer avec la toile. Donc là, on a les symboles, voilà, avec le numéro qui correspond au sachet des perles. Voilà, donc vous voyez, il y a 12 perles différentes. Niveau colle, bien, aucun problème, ça colle toujours bien. Il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Bon, de toute façon, les kits
comment, liquide partiel, voilà, parce que là c'est un partiel, hein. C'est rare qu'il y a des défauts, et puis de toute façon les kits à Coralie, que ce soit des pleins ou des partiels comme ce, comme celui-ci, jusqu'à maintenant je n'ai jamais trouvé un seul défaut. Donc que ce soit sur la toile, sur ce soit sur la qualité de l'impression, que ce soit sur la colle, que ce soit sur les perles, jusqu'à maintenant je n'ai trouvé aucun défaut. Voilà, c'est vraiment une superbe qualité. Et je les adore. Et là, j'adore encore plus mes petites chouettes. Enfin, chouette ou hibou. Chouette, hein, non? À votre avis. Allez, je vous montre les perles. Alors, ça, c'est la 12. On va commencer par le début. Oui, le 1. Voilà. Alors, j'ai d'abord des rouges, des grosses rouges. Des gouttes d'eau, voilà, un peu orangé nacré, des mini gouttes d'eau. Alors, j'essaie de vous montrer la couleur. Donc, c'est des holographiques, voilà, elles sont un peu multicolores. Des mini gouttes d'eau, donc là, elles sont couleur diamant, couleur blanche. Là, des petites perles, alors des petits diamants roses, des petits strass roses, pardon, des petits strass rouges. Là, c'est un autre, non, c'est un rose plus foncé. Là, ici, j'ai des bleus. Là, ouais, j'ai encore des bleus, mais un peu plus foncés. Des bleus, mais là, bleu marine. Là, c'est des marrons. Et ici, on va dire, c'est des... Alors, quelque chose, je vais vous dire. C'est pas du diamant blanc, c'est pas du jaune. C'est un peu du beige, voilà. Je suis désolée, ça floute. Donc, voilà. Donc, mes 12 paquets... pour faire mes petits hiboux ou chouettes, comme vous voulez. Voilà, mon petit couple. Qui va être très agréable à faire. Alors, comme d'habitude... Désolée, j'arrête de faire du bruit, promis. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos, alors, le lien de la boutique, le lien où vous pouvez retrouver directement le kit... Et je vous remets également le lien de sa page Facebook, où vous pouvez également retrouver toute son actualité. Et également, alors là, pendant les vacances, elle n'avait pas mis de concours, hein, ça se comprend, elle s'est occupée de ses enfants, puis elle était en vacances, hein, comme tout le monde. Donc là, elle va reprendre les concours. Hein. Normalement, il y a un concours par mois sur sa page, donc là, elle devrait bientôt les reprendre. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur sa page Facebook. Et puis, voilà. Donc, si vous avez des questions à lui poser par rapport à un kit ou quoi, elle est très accessible. N'hésitez pas à lui poser les questions. Vous pouvez la joindre par email ou par sa page Facebook. Il y a aucun problème. Vous pouvez également lui demander des kits personnalisés. Je vous remettrai à la fin de la vidéo le lien du personnalisé qu'elle m'avait fait sur Fifille. Voilà. Donc vous pouvez lui demander personnalisé. Sur les personnalisés, elle vous pouvez lui demander pas mal de choses. Déjà de rectifier la photo que vous lui envoyez. S'il y a des choses sur la photo que vous voulez qu'on enlève, elle vous le fait. Si vous voulez qu'on rajoute une phrase sur la photo, par exemple le prénom d'un enfant ou une date de naissance, si c'est pour un bébé, elle vous le rajoute. Si vous voulez mettre un cadre, si vous voulez rajouter des fleurs, bon, enfin n'importe quoi, vous voyez ça avec elle et elle fait au mieux pour vous arranger votre personnalisé et
et justement qu'il soit personnalisé au maximum de vos goûts. Voilà. Et après, elle fait la, elle vous passe votre commande et puis vous le recevez, le personnalisez en moyenne. Moi, quand elle m'a fait le mien, il m'a fallu une dizaine de jours pour l'avoir. Donc voilà, c'est normal que là, bon, c'est pas du 48 heures, hein, personnalisé, ben, il faut le fabriquer, c'est pas la même chose. Et par contre, tous les kits qu'elle a déjà dans sa boutique, dès que vous commandez sur la boutique, 48 heures après, le kit est chez vous, hein, puisqu'elle les a en stock directement, déjà chez elle en France. Elle ne commande pas en Chine quand vous passez votre commande. Ce que vous commandez sur la boutique, c'est des kits qu'elle a déjà dans sa boutique en France. Donc, c'est pour ça qu'elle peut vous livrer en 48 heures. Voilà. Parce que, bon, il y a beaucoup de boutiques, quand vous commandez sur leur site, c'est pour ça qu'il y a un très long temps d'attente. Bah, c'est que quand vous avez passé la commande, la commande part en Chine. Voilà. Donc là, non, elle, tous les kits, elle les a déjà commandés auparavant et elle les a en stock chez elle. Donc, vous les avez en 48 heures chez vous, en colissimo. Donc, voilà, bah, je pense avoir tout dit. Là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je referai des vidéos, bien sûr, avec ce kit, hein, sans problème, comme d'habitude, pour vous le montrer en cours et terminé. Là, je vais vous faire à tous des gros bisous. Je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bisous, bisous.